mais comme le Patriote Fidar Jadid, c'est le 5 la conjugaison progressive, la conjugaison progressive, la conjugaison progressive. le de l'indicatif, nous sommes dans le troisième groupe, le à tel état. ولكي اتفادى الشرح باللغه العربيه ولكون هذه اللغه او انا ضعيف في هذه اللغه فقد كتبت لكم مرادفات الدرس كل فقره كل جزء من الدرس باللغه العربيه لكن سوف اشرح خاصة باللغة الفرنسية وأنتم يمكنكم في كل حين توقيف الفيديو للنظر للمرادفات أولا ثم تستمعوا إلى الشرح Alors, je reprends, vous avez les verbes, vous avez les verbes faire et dire. Faire et dire. Ce sont deux verbes du troisième groupe. Bien sûr, je vous rappelle que pour le premier groupe, le premier groupe, c'est l'ensemble des verbes qui se terminent par er à la fin. À l'exception d'un seul, c'est aller. Et في أصلها تنتهي ب إلا في الواحد وهو في الألي لأنه لا يقبل أو لا يخضع للقواعد الثابتة لهذه المجموعة في صرف أفعالها لأزمنة أو الأزمنة المختلفة لذلك فإن في الألي رغم أنه ينتهي ب فإنه يحسب مع المجموعة الثالثة « Minisperil mejmoa deuxième groupe, sont tous les verbes qui se terminent par « ir » à l'infinitif et qui acceptent la forme « i » de « s en terminaison en présent de l'indicatif. À l'exemple de « finir »« nous finissons » mais tous les verbes qui se terminent par « ir » quand « finir » mais qui n'acceptent pas « i » de « s en terminaison en présent de l'indicatif. Dans « nous » exemple de « tenir » On ne dit pas nous tenissons, mais nous tenons. Nous tenons. Alors dans ce cas, le verbe tenir et tous les verbes qui n'acceptent pas I2SONS seront aussi parmi les verbes du troisième groupe. Donc pour les verbes du troisième groupe, nous avons aller plus les verbes qui n'acceptent pas I2SONS qui se terminent par IR, puis les verbes qui se terminent par RE ou bien voir ». Ouar. Bien. Alors maintenant, pour ces deux verbes au présent de l'indicatif, vous allez lire cette phrase en arabe. Moi, je vais lire celle-ci en français. Ces verbes ont pour particularité d'avoir une forme irrégulière pour vous. Pour vous. Alors, qu'on vous voyez ici, vous avez « is, is »,« it »,« ons »,« ont ». Pour ce qui est marqué ici en vert... Nous avons l'impression que on a beaucoup ces terminaisons pour plusieurs verbes au présent. IS, IS, I, T, O, N, S, O, N, T. Parfois, on peut avoir E, N, T. Mais pour, e pour vous, nous avons l'habitude d'avoir E, Z. Mais ici, avec ces deux verbes, faire et dire, nous n'allons pas avoir E, Z, nous allons avoir T, E, S. OK Vous faites. C'est pour cela qu'on dit que ces verbes, en part pour particularité, yani يمتازون بكونهم يم لا يخضعون إلى قواعد الصرف للأفعال de troisième groupe dont la personne vous chez le damir al-mutakallim al-mukhatab antum ou antunna exemple vous faites vous faites antum taqoomuna ou antunna taqoomna ou bien vous dites antum taquluna ou antunna taqulna alors, je fais la conjugaison. <coughs> je d'abord pour les pronoms personnels alati al Je anna, tu anta ou anti, il, il, elle, ya, on, soit, il indique nous, ou bien il indique un pronom indéfini ou damir gair mu'arraf Nous, n'ahnu, antum, soit Antun, euh, vous, soit Antum ou antun, il, on hum, a. Alors, on commence par le verbe faire au présent. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, c'est pas vous faisiez. Vous voyez? C'est pour cela que nous avons dit que la particularité de ces verbes est le fait d'être ou d'avoir une forme irrégulière pour vous. On va pas dire Z, on va pas l'écrire, on va mettre t Vous faites et puis ils font. <coughs> Bien. Maintenant, en communication, le verbe faire peut être suivi d'un nom. Et ça donne un sens. <muché> Exemple. Il fait le ménage. Il fait le ménage. Donc faire le ménage, ce qu'on appelle une locution verbale. A dit, mais je m'attends, tu te connais, fait le zaid, c'est le nom. Et tani, Il fait le ménage. ou bien, il y a tonade fait le Nadava. En français, on va voir une locution verbale. cest dire c'est un syntagme composé d'un verbe plus un nom. Un verbe faire plus un nom. Alors il fait le ménage. La deuxième, ils font du sport. Faire du sport, se dire, yu font du sport, hum, il votre du sport, hum, yu fait riyada. vous faites votre travail. ou pas... ou vous faites votre travail. Bien sûr, ici, c'est une question. Vous faites votre travail. Ou bien, on peut aussi avoir le « vous » de politesse. « Vous » Là, c'est pour la première locution verbale. On peut aussi avoir une autre locution verbale. Avec le verbe faire, au présent, plus l'adjectif qualificatif au CFA. Exemple, on a le pour le temps, se dire dire hadith un taqs ou un joue. Donc, le verbe faire, si on le conjugue au présent, plus un adjectif peut signifier les, les, le, le climat, le temps qu'il fait. Exemple, il fait beau. Il fait beau. Il fait beau, ani, yun jizou, jamil. Non. Faire beau, faire beau, c'est une locution verbale. C'est comme en anglais, pour ceux qui ont euh, des connaissances en anglais, freeze the verbs, se dire, un verbe plus un autre élément qui veulent dire quelque chose, se dire dans un sens. Pour dire en français le jamil, on va dire il fait beau. Deuxième, il fait mauvais. C'est le contraire de...

il fait mauvais, il fait froid, le jour dit le contraire, c'est il fait chaud. Donc, il fait, le verbe faire au présent, plus l'adjectif beau, mauvais, froid, chaud, nous donne des indications sur le temps qu'il fait. Yani, adilla, malouma, tani, elle dit, Exemple, il fait trois degrés Celsius. Ça veut dire, il fait très froid. Vous voyez? Pas dans ces pas trois, mais moins trois degrés Celsius pour dire il fait très très frais, très froid. Troisième locution verbale, je m'en le faire plus, et c'est infinitif. Plus infinitif. le sujet ne fait pas l'action du verbe à l'infinitif. le le. il a al aw harakat le L'Esta-Iman, bien sûr, mais dans ces cas, exemple, je fais réparer la voiture. Je fais réparer la voiture, cela veut dire que, al fa la l'amir jamla. C'est pas je qui fait l'action réparer. Le verbe à l'infinitif, al à l'infinitif, exemple, l'am même si j'ai dit, je fais réparer la voiture. se dire je l'ai donné à quelqu'un, je l'ai donné à quelqu'un d'autre, pour faire l'action réparer la voiture. C'est un factitif. de toute manière, encore, factitif, on peut l'ajouter pour ceux qui ont un bon niveau en français, pour les verbes qui sont intransitifs, ils deviennent transitifs. Si on veut avoir un complément d'objet direct, euh, euh, qui va suivre qui va suivre, euh, un verbe qui n'est pas transitif, on lui ajoute le factitif. Exemple de tomber. Je vais dire, je tombe, ça marche, mais je ne peux pas avoir le complément d'objet Mais supposons que je vais avoir un complément d'objet il faut ajouter un factitif. Exemple, je fais tomber mon cartable. Vous voyez? Eh bien, je fais tomber ma chaise. C'est pas par volonté, mais bon, par erreur, je l'ai, j'ai je, je fait tomber ma, ma, ma chaise. Alors, ma chère, ce sera un complément d'object. ajouté à quoi? À l'allocution verbale, faire tomber, tomber qui était intransitif devient transitif. Bon. Alors, je reviens à je fais réparer la voiture, se dire que je ne fais pas l'action réparer la voiture puisqu'on a ajouté le factitif faire voyez ça signifie que j'ai donné la voiture à quelqu'un d'autre ma fille ma c'est lui qui la qui a réparé. bien alors je passe maintenant à dire donc on a fini le verbe faire on va voir quand est-ce qu'on peut utiliser dire cela qu'est-ce que ça signifie en conjugaison encore comment je vais faire bon c'est presque la même terminaison d'accord. Que, euh, que faire? Je dis, i s i s i t o n s, e n t. L'autre, c'est o n t, mais on a l'impression qu'on a beaucoup de verbes qui se terminent par e n t. Mais pour vous, généralement, on va avoir z. Mais encore ici, on va pas avoir e z. Pourquoi? Parce que le verbe faire et le verbe dire, ce sont deux verbes qui euh, en réalité, euh, sont irréguliers sur le niveau de la deuxième personne du pluriel. Fille, d'amir antum ou antun, d'amir mukhatab al dire et faire n'accepte pas le z. Donc, ils vont avoir tes, s Je dis, ana akoul, tu dis, anta takoul ou anti takoulin, il dit, ou yaqul, elle dit, hiya on dit, yatimul kaoul ou yuqal anna, nous disons « nahnuna Vous dites « antum ta ou « antunna Ils disent « hum ya Elles disent « hum hunna Donc je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Faites attention surtout à, à vous. Maintenant, on peut aussi avoir dire suivi suivi d'un nom ou de conjonction que, si, pourquoi, quand, comment.

euh, on a rajouté à dire comme un discours direct etab Je dis à ma mère qu'ol tu li quoi que je vais aller chez elle demain. Je dis à ma mère que je vais aller chez elle demain li annani ou anna que ni anna si je anani sa haradan je vais aller chez elle demain. Donc dire est suivi de la conjonction que. Mais je parle. Si je change le sens ou plutôt je change le verbe dire par un autre équivalent qui veut dire presque la même chose, parler Pour parler, on va pas avoir que si pourquoi quand comment. Layumkin ayakuna. que si je parle que je parle si je parle pourquoi non. Vous Voyez. Donc pour dire, on peut avoir que si pourquoi quand comment. Bien sûr ceux qui sont avec moi sur euh, dans mon groupe euh, euh, Telegram peuvent me poser des questions à propos de ces éléments pour approfondir la leçon ou bien ils peuvent faire des phrases je vais les corriger. Donc mais je parle souvent à ma mère la kin on a parlé il va pas être suivi par les autres les éléments que je viens de dire. Je parle souvent à ma mère ça veut dire la leçon, elle est finie pour la conjugaison des deux verbes « faire » et « dire ». On va passer aux exercices et on va faire les exercices de la même manière. Nous sommes sur la page 17 sur votre manuel « La conjugaison progressive ». Après avoir écouté et compris la leçon autour de la conjugaison des deux verbes « faire » et « dire » de verbes de troisième groupe, vous allez faire ces exercices. Vous arrêtez la vidéo pour faire l'exercice avant de passer à la correction. Alors, arrêtez la vidéo. Faites l'exercice 1. On vous demande de compléter par faire au présent, bien par dire au présent dans ces phrases avant de passer à la correction. On passe à la correction. Vous avez ici, je fais du ski. Oh, pardon, Yves. pardon. J'ai cru que c'était un jeu, mais Alors, il fait du ski, ou est à zahlaq, à la il fait du ski, on va donc avoir té, il, il fait. Dans la deuxième, nous faisons une fête, attention, faire, quand on est dans nous, on dit pas nous faisons. Ça s'écrit nous faisons et on prononce nous faisons. Nous faisons une fête, Nahnu nahtafil, faire une fête, fête. c'est htafala en arabe, 3. Tu fais le clown, ou duna idrak d'alek. Tu fais le clown. Le clown fait normalement rire les petits enfants, mais parfois on peut le dire à un adulte qui fait ou qui essaie de faire rire aux autres, mais en réalité, euh, il ricane. D'accord? Il ricane, c'est-à-dire il se moque de lui. 4. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est là où nous avons l'irrégularité de la conjugaison du verbe faire au présent de l'indicatif, puisque vous avez vous. On va pas avoir Z, on va avoir TES. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que, Mada, vous, vous faites? Numéro 5, ils font du bruit. Ils font du bruit. Ils font du bruit. Ils font c'est faire du bruit. Puis six, je fais de la danse. Je fais de la danse. Et on va avoir un S parce que vous avez je Ana omarisorax ou bien Ana arkos Je fais de la danse. Pour la septième, il dit déité. Il dit qu'elle n'est pas là demain. Yaqool anahu lesahona radan voyait On a le présent. Et le présent de l'indicatif parmi ces utilisations, c'est le futur proche. Si on est sûr de quelque chose qu'on va faire hein, d'ici quelques instants, bien quelques heures ou quelques jours, on peut utiliser le présent de l'indicatif parmi ces utilisations. Vous avez le futur proche. Alors, elle, elle dit qu'il n'est pas là demain. Normalement, on peut aussi avoir. Il dit qu'il ne sera pas là demain parce que demain, c'est pour le futur. Et ici, nous avons conjugué le verbe être au présent. Mais ben. L'équivalent c'est. Huit, nous disons la vérité. Nous, nous, nous disons. Voyez, nous disons. Nous disons quoi Nous disons quoi C'est la vérité. Neuf, on dit et on. Et en congésion, c'est toujours l'équivalent de, de il. Il sans S. Même si parfois ça peut signifier le nous en français familier. Mais, en conjugaison, c'est toujours l'équivalent de il, donc on va mettre te. On dit quoi? On dit que, vous voyez, on a vu dans la dernière partie du verbe dire, en conjugaison au présent, qu'il peut être suivi d'une un, conjonction de subordination. Exemple ici, euh, conjonction de subordination qui va introduire la complétie conjonctive. Bon. Ouakal, qu'il est malade. On dit qu'il est malade. Yokal, les anna an ici, je l'ai pris dans le sens d'un pronom indéfini. Ça veut dire fa'il, gare, marouf. Men yakoul, d'aller yokal. Kad yakoun, ay ahad. C'est ça le an. 10, tu, tu, on a donc dans je, dans je, is, dans tu, si is. Alors, tu dis quoi Tu dis toujours non euh, Oui, tu dis toujours non. Anta daiman ma tarfud Oh, ma taqul la. Ils ne disent rien. La colonne shay'an. Ils ne disent rien. Hum la colonne shay'an. Bien. La dernière, c'est douze. Qu'est-ce que vous dites colonne antum. Qu'est-ce que vous dites et Non pas, qu'est-ce que vous disiez oui. voyez Il y a bien sûr quelques-uns qui commettent cette erreur. Euh, <coughs> Pourquoi Parce que par interférence avec d'autres... Euh, forme de conjugaison des autres verbes après l'ONS. Généralement, on met EZ, c'est pour cela nous avons dit que en expliquant la leçon, il faut faire attention à vous pour le verbe faire et le verbe dire. Attention de mettre Z. ce sera une erreur, il faut mettre donc TES. Bien, on passe à l'exercice numéro 2. Alors c'est la même chose, vous allez lire la question, voir ces phrases. Aussi, syntagmes verbaux et les mettre convenablement ici en conjuguant à chaque fois le verbe euh, basique au présent de l'indicatif. Faire du yoga, ne pas dire la vérité, faire de la danse, faire le tour du monde, dire que, faire du sport, faire la cuisine. Donc vous conjuguez, vous pouvez chercher aussi le sens de ces éléments ou bien, comme des désire, tout simplement, et attendre les réponses. Alors, arrêtez la vidéo, faites l'exercice avant de voir la correction. Alors, voici la correction. Elle fait la cuisine. Elle fait la cuisine. Et y a Elle fait la cuisine. Parce qu'il a trois invités à dîner ce soir. Parce que, les anna. Et a trois invités, salat doyouf, à dîner, c'est un maaleisha, matin, ce soir, adelmassa. Bien, passe à la deuxième. L'année prochaine, nous ferons le tour du monde avec les enfants. Normalement, puisque l'année prochaine, c'est très loin, c'est pas un futur proche. C'est pour cela que j'ai conjugué au futur simple. Mais bon, on peut aussi avoir le présent de l'indicatif, comme j'ai dit, parmi les utilisations du présent de l'indicatif, le futur proche. Dans le sens, bien sûr. L'année prochaine, Asana Al Qadima Nous ferons, bien, nous faisons le tour du monde avec nos enfants, sauf bijola hawla al avec les enfants, bien sûr, mal mais généralement ici, euh, ou oh bien ce qu'on qu sous-entend, ce sont les enfants de celui qui parle ou bien de ceux qui parlent. Troisième phrase, tous les samedis, je fais du yoga pour rester calme. yom sabt, tous les samedis. Qui fait l'action de faire le yoga? Manu le yoga, Ana Ana le yoga. Je fais du yoga pour rester calme. Lékei abra hédi an, pour rester calme. La phrase suivante, c'est la quatrième. Il dit, donc je fais yes. Pour le dire il, si était, il dit qu'il est fatigué le soir. Donc généralement, attention pour dire peut être suivi d'une conjonction de subordination et s'il s'agit d'un discours en direct. Il est fatigué ce soir ou le soir. La cinquième, vous faites... Comme on a dit, il faut pas mettre « vous faisiez ».« Vous faites de la danse classique ou moderne ?» Là, c'est la question, pardon. « Vous faites de la danse classique ou moderne ?»« El tumaris » ou « al-klassiki » ou « el-asri »?« Asri », c'est moderne. « classique, c'est classique El tumaris » ou « faire la danse ». Donc, si on veut conjuguer « faire la danse », on va avoir « faire » dans « vous » avec la terminaison « tes ». Bien. Puis, la sixième question, ce n'est pas vrai, tu ne dis pas la vérité. c'est pas vrai. Tu ne dis pas la vérité, tu ne dis pas, dire, ias, Okay. Bien. Tes amis font du sport. Pas beaucoup, ils ne sont pas très sportifs. Encore, désolé parce que, j'ai pas vu, il s'agit d'une interrogation, アディジョムラムスタファミアン. Des amis font du sport HAL ASDIQA YUMARISUNA RIYADA HAL HAL, c'est tout simplement une question qui demande la réponse par oui ou bien par non. Comme on a fait dans la la dernière leçon grammaire, nous avons vu la négation et l'interrogation. Et nous avons fait une interrogation qui demande les réponses par le oui et le non. Des interrogations totales, ou si fermes, HAL Peut avoir est-ce que on peut avoir l'inversion de sujet. Tes amis font-ils du sport? Est-ce que tes amis font du sport? Tes amis font du sport? Donc ici vous avez juste l'intonation interrogative et nous avons donc l'équivalent de "elle". Pourquoi? Parce qu'on va avoir la réponse par le oui ou le non. Bien sûr, encore ici vous n'avez pas beaucoup. On peut avoir une autre option de réponse Ça signifie non. Non, mais pas tout à fait. Bon, pas beaucoup. Ils ne sont pas très sportifs. Les Sakathiran, pas beaucoup, ils ne font pas du sport chaque jour, chaque fois, euh, régulièrement. Ils ne sont pas très sportifs, les Suriadhine Jiddan. Bien, alors on passe à l'exercice 3. De la même manière, vous allez d'abord lire la question, voir les phrases, arrêter la vidéo, expliquer les mots, essayer de comprendre. Faites l'exercice avant de voir les réponses. Alors faites l'exercice, arrêtez la vidéo. Voici la réponse, complétée avec le verbe parler et le verbe dire représente l'indicatif. Ils parlent à leurs enfants comme à des adultes. Ils parlent, À qui À leurs enfants, comme à des adultes. Comme à des adultes. Bien, mais ce qui est important, c'est surtout la conjugaison du verbe parler qu'il faut intégrer dans votre tête et également voir quels sont les sens, les significations des mots utilisés dans les phrases. Deuxième phrase, il me dit que, quand vous voyez le verbe dire, généralement il est suivi par les conjonctions de subordination parce qu'on introduit les paroles dites. Ça s'appelle un verbe introducteur et ses paroles peuvent être directes ou indirectes. Il me dit quoi Il me dit qu'il parle tous les jours à son père au téléphone. Il me dit qu'elle parle toujours ou tous les jours à son père au téléphone. elle me dit qu'elle parle tous les jours à son père au téléphone. Bien, alors vous avez « parler et dire c'est été, été. Bien. On passe à. Euh, on a dit que parler et dire, dire est su généralement par que, mais pour parler, vous n'aurez pas des noms et vous n'aurez pas la, vous n'aurez pas des conjonctions de subordination surtout. On parle beaucoup de cette actrice. On parle beaucoup de cette actrice. يتم الحديث كثيرا عن هذه الممثله bien sûr je vous ai donné cette phrase cette manière parce que le on en vérité c'est un pronom indéfini, يعني ان الحديث يتم من يتحدث يمكن ان لا نعرفه لذلك استعملنا أن يتم الحديث لكن من يتحدث قد يكون اي احد donc c'est انديفيني غير معرف يتم الحديث كثيرا عن beaucoup de cette actrice على هذه الممثله Puis on dit qu'elle est excellente. Et on dit qu'elle est excellente. Bien sûr, on peut encore avoir l'équivalent de en sous forme de nous en français familier, se dire nahnu wa anha Exercice sur la phrase par 4 Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, ou Je ne comprends pas. afam, je ne comprends pas. Bien sûr, chez un, je peux avoir. Je ne comprends rien, mais bon. Je passe à cinq. Vous, c'est pas disait. Vous dites que c'est demain. Non, je vous dis que c'est mardi. T'as-poulouni yakounu l'amro gadan, la ou akkid na se yakounu yomal thulatha. Limad a koul ou parce que vous avez ici nom. puisque je nie l'information par rapport à demain, ça signifie que je suis sûr de, du mardi. Donc, fibad l'ahyan, bi fit kinan tarjama bi nafs moradif le Je passe à 6, vous me parlez? Non, je parle à Victor. La, Victor. Je parle à Victor. Bien. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro l'exercice 4. 4. Est toujours nous sommes sur la page 17 pour ceux qui veulent suivre sur leur manuel qu'ils ont reçu. Et vous faites l'exercice en arrêtant la vidéo encore une fois, complétez la question au présent et répondez librement.

alors, ajiba, y'a katali, vous, alors, on va pas mettre, vous faisais, mais vous faites, vous faites la cuisine tous les jours, hal tatboukhoun kuleyom, ou hal anti tatboukhine, ou hal anta tatboukhoun kuleyom, mal htiram, non, jamais. Anna ajibt bihadashakl, la, euh, abadan. Vous faites du sport, hal, تمارسون رِيَاضَة هل تمارسن الرياضة هل تُمَارِسُ الرياضة؟, الرِيَاضَة هل تُمَارِسِينَ الرِيَاضَة هل تُمَارِسُ تُمَارِسِينَ أقولها مراراً لتفهموا أن قد تدل على المخاطب الجمع ومخاطب مفرد مع صيغة الاحترام سيوي إذا كان الجواب بنعم كالسبور سبور الرياضة التي تلعبونها alors si oui pour moi je fais du footing je fais du footing أُمَارِس رِيَاضَة المَشْي footing Ce stan emprunt anglais, il n'a qu'elle est ma, euh, ma, coda min l'onga l'ingiziala, kin, yatim, stymelu ha, fil francié, kadalik. Al jumla vous dites bonjour quand vous entrez dans un magasin? Hal t'a koul, euh, ou al khair, ou yom jameel, t'attemennè, koul, l'innas, koul ma, d'achalta fi, euh, un magasin. Hal t'usalimu ala, euh, euh, à la ou à la, fi, uh, machal, machal la réponse je dis toujours bonjour à chaque fois j'entre dans un magasin je dis toujours bonjour quatre comment on dit aimer dans votre langue Qu'est-ce que aimer dans votre langue filoratique? On dit au hebbo, au ahabba. En arabe, on dit ahabba, bien sûr, chacun peut avoir sa langue. Donc, on demande l'équivalent de aimer, aimer, dans la langue de celui qui fait l'exercice. 5. Où est-ce que vous faites vos courses? Aina teshteruna bidahatikum? La réponse pour moi, je fais mes courses dans un hypermarché bien un supermarché. Ana atabadau fi souq mumtaz. Darsona ila al'an qad intaha, kan ma'akum le patriote fi

Euh, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir euh, du nouveau à chaque fois. Merci beaucoup et salam alaikum wa wa barakatuh. Pour ceux qui sont euh, abonnés euh, à mon groupe Telegram, n'oubliez pas qu'on va discuter cette leçon euh, ce soir à partir de 19h jusqu'à jusqu 20h. Et merci beaucoup. Salam alaikum wa